Le site du cours Saint-Michel, ce sont quelques 4 hectares. 4 hectares désormais propriété des États-Unis. Ce complexe de bureaux va devenir la nouvelle ambassade américaine, mais aussi le siège de la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne. Une arrivée qui soulève des questions dans le quartier. Certains riverains craignent de voir se construire un véritable bunker. L'ambassadeur nous a tout de suite rassurés, a même fait venir ses spécialistes de Londres, nous ont montré ce qu'ils ont réalisé dans d'autres pays. Ils l'ont présenté comme des engagements, qu'il n'y aurait pas de clôture, pas même d'enceinte, qu'ils transformeraient le site en non seulement une œuvre artistique, selon eux, que nous n'avons pas encore vue, mais surtout en un parc accessible au public. Mais pour l'heure, l'ampleur des transformations de la future ambassade n'est pas officiellement définie. Dans un communiqué, Timothy Richardson, chargé d'affaires pour l'ambassade bilatérale, confirme une volonté de concertation. Nous sommes impatients de travailler avec nos experts en design de Washington, nos partenaires ici en Belgique et la communauté d'Etterbeek pour créer un espace qui puisse répondre à nos besoins et être un atout pour le quartier. Un atout pour le quartier, mais une tuile pour les finances communales. C'est évidemment une perte économique sèche puisque nous avions rien qu'en taxes de bureau avec ING 2 millions d'euros par an. C'est des impôts en moins pour les habitants, ça c'est un. Deux, vous savez qu'une commune vit essentiellement du nombre de ses habitants, de l'impôt additionné aux personnes physiques et de l'impôt sur les bâtiments. Ici, ce serait une main morte totale. Mais alors moi, je demande aussi qu'on puisse quand même un peu amortir le choc et qu'on puisse construire des bâtiments. Il y a moyen là de faire une barre de logement. Et là, alors, on a quand même une certaine rentabilité. En attendant de voir les premières esquisses du futur siège de l'ambassade des États-Unis, la commune d'Etterbeek invite les riverains du quartier Saint-Michel à se réunir mi-janvier.